Oui, je sais que je ressemble à Elizabeth Gillies. J'espère que ça va, que vous avez la forme, que vous pétez le feu. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer mes vestes. Étant donné que j'achète tout le temps des vestes, je me suis dit que ce serait cool de vous montrer pas mes vestes préférées, mais les vestes que j'ai beaucoup portées ces derniers temps. J'ai un peu menti dans le titre, de toute façon, on est là pour faire du putaclic et de se faire de la YouTube money, hein. Du coup, ce sera pas vraiment toutes mes vestes, mais ce sera une bonne partie. Je vous ai plus montrer celle qui serait plutôt intéressante pour vous, c'est-à-dire vous pourriez porter dans cette saison, donc avec le... j'allais dire l'été mort de rire, il a neigé il y a deux jours. Mais... avec le printemps qui arrive à petit, mais alors très petit pas, il faudra peut-être qu'il se bouge un peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et ma foi, c'est parti. J'essaierai dans la mesure du possible de vous montrer les vêtements portés, même si c'est super chiant de faire des try-on. En fait, faire des try-on c'est hyper chiant, mais alors regarder une vidéo sans try-on c'est encore plus chiant, parce que du coup, à quoi ça sert de montrer des vêtements si tu les vois pas portés? Enfin, genre tu vois un bout de chiffon, ça sert à quoi frère? Du coup, je vais commencer par ce manteau-là. Donc il vient de chez Superdry, c'est une grosse doudoune que j'ai achetée donc cet hiver, que j'ai eu en réduction, je sais plus. De toute façon, je vous l'ai montré dans un de mes derniers hauls. Elle est très jolie. Ce que j'aime beaucoup avec cette veste, c'est ce que je vous avais dit donc dans mon haul, c'est qu'il n'y a pas un énorme logo Superdry, sauf à l'intérieur. Là, on le voit clairement que c'est du Superdry. Mais sinon, le seul logo apparent, c'est juste ce petit marquage sur la manche gauche. Et vraiment, ce manteau-là, je l'aime beaucoup. Il tient très très chaud. Et sinon, un petit peu partout, on a des bandes réfléchissantes comme ça, donc sur le devant et aussi derrière. Les prix en taille L. Et encore une fois, je suis plus sûre du prix. Il me semble que en solde, elle m'avait coûté 130€ au lieu de 160 je crois. Voilà, vraiment Superdry, c'est une marque que j'adore au niveau des manteaux parce qu'ils tiennent super chaud. Deuxième manteau de chez Superdry, c'est celui-là. Alors ça c'est une veste que vous... c'était quoi cette mouche? C'était un oiseau le bordel. Je l'ai depuis que je suis en 3ème, donc ça fait 2-3 ans maintenant. Sur le derrière, il y a un logo qui est encore assez petit je trouve, donc super dry. Vous avez aussi donc pareil le petit marquage et également sur une des épaules. Donc là il y a un peu plus de logo mais ça reste encore peu voyant. Quand j'avais acheté l'autre veste, je l'avais vu celle-là à 70€ sur le site. Donc vraiment, c'est un manteau qui vous intéresse, c'est le Superdry ou n'importe quelle autre marque, vraiment attendez les soldes ou le Black Friday, des trucs comme ça, parce que franchement des fois ça peut vraiment valoir le coup. Donc voilà, c'est les deux seuls, j'allais dire c'est les deux seules vestes, bisous, c'est la fin de la vidéo. C'est les deux seuls manteaux de marque, maintenant on va passer plus aux vestes, mi-saison, enfin voilà, bref. Du coup j'ai reçu ce trench là, je sais jamais comment on appelle ça, du coup que j'ai reçu de chez Zafoul, que j'adore vraiment, camel comme vous pouvez le voir. Il peut se porter très classe comme vraiment streetwear tout ça, je l'aime vraiment énormément. Pour du chinois je trouve ça un peu cher, mais franchement pour la qualité que c'est, je dirais que c'est plutôt du H&M. Franchement les manteaux sur Zafoul, Fashion Nova, tout ça, je vous les conseille. Si vous voulez que d'ailleurs je vous fasse une vidéo spéciale site chinois, parce que j'en ai testé énormément, voilà, où je vous donne des conseils pour choisir votre taille, pour choisir certains types de vêtements, les vêtements à éviter, enfin bref, tout ça, dites-le moi. Parce que franchement, si on connaît bien un site chinois et si on sait ce qui va pas, les tailles à prendre ou pas, ça peut être des pépites parce que... oh putain, je déteste ce mot pépite, j'en peux plus. Ça peut franchement être des bons plans parce que des fois, il y a des prix, mais vraiment pas cher du tout. En tout cas, ce manteau, je le mets vraiment très souvent. Ensuite, un autre manteau long, donc il vient de chez New Yorker. Alors, c'est un magasin pour lequel je vais jamais de base. Comme je vous avais dit dans mon dernier haul, j'y suis allée il n'y a pas très longtemps. Voilà, pour jeter un oeil si jamais ils avaient changé leur collection, si ça me plaisait un peu plus. Et je suis tombée sur cette veste là qui était en solde, donc qui m'a coûté 25€. Et qu'elle existait aussi en beige camel et elle coûtait 15€, donc vraiment rien du tout. Et celle-là je l'aime vraiment beaucoup. Après je trouve qu'elle est un peu trop fine, donc c'est un peu galère en ce moment à la mettre. Bref, j'aime beaucoup cette veste et encore une fois on peut la porter assez classe avec une robe, des collants, des talons, tout ça. Ou alors avec un jean mom, un t-shirt rentré dedans et des baskets blanches. Pas de soucis, donc voilà. Et le dernier manteau long vient de chez Camailleux. Donc encore une fois je vais pas vous montrer 10 000 ans comme ça. Mais c'est un manteau long, tout ce qu'il y a plus de basique est un petit peu dans le même style que ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Là il est noir, je pense que je vais m'en racheter un parce que j'aime beaucoup cette veste. Malheureusement elle prend énormément les poils, c'est super chiant. En tout cas elle tient très chaud, elle taille assez bien, elle est un tout petit peu serrée au niveau des manches quand j'ai des gros pulls tout ça. J'adore en fait porter des manteaux longs avec vous savez des gros pulls col roulé un peu comme celui que j'ai là. En tout cas celle-là pareil je l'ai eu en solde, de base je crois qu'elle coûte 60€, un truc comme ça, je l'avais eu 30€. Franchement tout ce qui est Camailleux, Kiabi, vous savez les magasins où on n'ose pas trop aller parce qu'on se dit ouais c'est vraiment pas mon style tout ça, franchement allez jeter un oeil parce que des fois vous pouvez vraiment trouver des pièces hyper belles et souvent c'est vers les manteaux que je me redirige et bah là pareil j'étais pas déçue. Donc
Donc voilà, ensuite une veste que j'adore et à chaque fois que je la mets, je reçois tout le temps des compliments. C'est cette veste là que j'ai payée 19€, qui est hyper, vous savez, bouffant comme ça, en matière un petit peu, alors j'appelle tout le temps ça de la matière poubelle, je saurais pas trop comment vous expliquer. Je l'aime beaucoup, par contre, je vous la montre aussi dans cette vidéo pour vous mettre en garde. Vous savez, bah, cette fameuse matière un petit peu vinyle, poubelle, tout ça, un peu mieux le prix qui était 19€ parce que cette matière là, elle a tendance à partir et alors je saurais pas expliquer pourquoi, mais ça fait des sortes de points noirs. Étant donné qu'il y en a sur le col, sur la capuche, un peu partout, dès que je la mets, mais vraiment 5 minutes après, j'en ai partout. J'ai fait un putain de maquillage on fleek tout ça, et là je mets cette veste là et ça nique tout parce que c'est comme si j'avais des points noirs mais sur tout le visage, c'est horrible. À chaque fois on me fait la remarque, mais t'as des points noirs, t'es chelou, lave-toi. Mais non ! Du coup je suis dégoûtée parce que je l'adore, mais bah je la mets pratiquement plus en fait parce que bah c'est trop chiant, enfin je sais pas, t'as pas envie de te retrouver avec du noir sur la gueule. Et sinon vraiment elle est bien, et pour le prix 19€, bon. Ensuite, prochaine veste, c'est celle-ci que j'ai reçue de chez Zafoul ou Rosegal ou Ramoui ou Chine, je sais plus. Mais en tout cas je l'ai reçue d'un site chinois, de toute façon c'est le genre de veste que vous retrouvez un peu sur tous les sites chinois. Vous savez, c'est exactement la même que Zara a fait. Et vraiment celle-là je l'aime beaucoup, alors j'ai reçu énormément de vestes en daim de la part de sites chinois, mais alors vraiment de toutes les couleurs, du rouge, du beige, du kaki, du noir, du bleu, enfin bref. Et c'est vraiment celle-là que j'ai gardée, toutes les autres je les ai vendues pour la simple et bonne raison que je les mets pas. Mais la kaki, bon même si c'est celle que tout le monde a particulièrement, je trouve que c'est celle qui me va le mieux et qui est la moins petite et serrée, parce que alors toutes les autres, mais j'ai beau prendre du L, du XL, du triple XL, ça fait tout le temps du S. Faut vraiment pas mettre des grosses vestes si vous la prenez sur des sites chinois, ou alors faut être assez fine du haut, ce qui n'est absolument pas mon cas. Maintenant on va passer aux vestes en jean, c'est vraiment ce que j'achète le plus en ce moment, j'adore les vestes en jean, je trouve ça magnifique. Je vais commencer par cette veste en jean là que j'ai pareil reçue de chez Shein, je crois, je suis plus très sûre. Mais ce genre de veste on les retrouve un peu partout maintenant. Alors, vraiment rien de ouf, c'est une veste en jean rouge un petit peu déchirée un peu partout tout ça, mais c'est pas des déchirures horribles on va dire, c'est vraiment des jolies déchirures un peu discrètes tout ça. Ensuite une veste que j'adore qui vient de chez Pull & Bear. Bref, on s'en fout. Donc c'est une veste en jean blanche toute simple comme ça, assez crop top. Je l'ai pris en taille L pour qu'elle soit vraiment super large et j'adore le style, vraiment je suis fan de cette veste. Donc voilà. Ensuite encore une veste en jean qui vient cette fois-ci de chez H&M, toute jaune comme ça, que je vous ai montré dans un de mes derniers hauls encore une fois, que j'ai payé 19€, je l'adore. Je l'ai pris en taille 42 pour qu'elle soit encore une fois très très large et ça fait vraiment le style que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça change tout dans une tenue, tu t'habilles tout en noir, ça passe super bien. Donc voilà. Ensuite encore une veste en jean, c'est cette veste là que j'ai énormément portée pendant un temps, qui vient cette fois-ci de chez Shein. Alors au début quand je l'ai reçue je me suis dit ok, je vais porter ça avec quoi, genre ça fait vraiment genre comme si j'avais trouvé dans une poubelle limite. Mais quand tu portes un gros pull en dessous, un gros hoodie d'une couleur genre jaune, orange, rouge, je trouve ça magnifique. Tu mets un jean noir, des baskets blanches, tu mets ça et ça passe trop trop bien. Je trouve qu'avec ce genre de veste un petit peu ouverte comme ça, mettre un vêtement de couleur en dessous, ça fait tellement ressortir la veste, vraiment je kiffe. Donc voilà, je suis très contente, je crois que sur le site elle est toujours disponible, elle est aussi disponible en bleu, toujours aussi destroy comme ça, et elle coûte une trentaine d'euros aussi je crois. Et la dernière veste c'est celle-ci, elle vient de chez H&M, je vous ai posté une photo avec sur Instagram, et vous avez été tellement nombreux à me demander d'où elle venait, donc bah voilà, je vous le dis, elle vient de chez H&M. Alors à la base c'est pas une veste, mais c'est en fait un haut, un peu crop top comme ça avec un zip et des bandes sur le côté. J'avais essayé dans une cabine et j'avais pas trop aimé le rendu. Et en fait en l'enlevant je me suis rendu compte que ça ferait une très très belle veste. Du coup bah maintenant je la mets en tant que veste et j'adore le rendu. Je le mets souvent avec mon pantalon camo et du coup cette veste là m'a coûté 19€. Voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer les vidéos. J'ai vraiment beaucoup aimé filmer cette vidéo parce que je trouve qu'elle était assez simple au final, mais pourtant ça peut quand même vous donner des petites idées de ce que je pourrais porter tout ça. Et peut-être si vous voulez vous acheter une nouvelle veste, peut-être que vous avez craqué sur l'une de celles que j'ai présentes. Bref, vous avez compris. Si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos all my je sais que vous me demandez tout le temps une vidéo all my sneakers, mais j'ai pas envie de la faire maintenant tout simplement parce que j'ai vendu énormément de paires que je mettais plus, j'en vends régulièrement en fait. Pour l'intérêt, si jamais ça vous intéresse de me suivre sur un de mes deux vide dressing, puisque j'en ai deux, j'ai celui de Vinted et United Wardrobe. Bref, du coup je revends souvent mes paires et bah là clairement j'ai que 4 paires de chaussures que je mets vraiment tout le temps tout ça, sinon les autres c'est celles que je laisse au placard pour aller courir ou des choses comme ça. Je vois pas trop l'intérêt du coup de faire une vidéo complète pour vous montrer 4 paires de chaussures, vraiment
ça sert un peu à rien. Du coup, j'attends un petit peu de me racheter des paires que j'aime bien, des paires dont je suis fière, tout ça, pour vous faire une bonne vidéo. En tout cas, je vous fais très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de toutes mes dernières vidéos, à activer la cloche aussi si c'est pas déjà fait, ça serait cool. Et voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment j'essaye d'être quand même plus active. J'essaye au maximum de vous poster 2 vidéos par semaine, mais c'est vraiment très compliqué avec les cours, en sachant que j'ai le bac à la fin d'année, c'est pas super cool. Dans tous les cas, j'essaie quand même de vous poster 1 vidéo par semaine, et si jamais c'est pas possible, je vous préviens sur les réseaux sociaux. Donc voilà, quand je dis réseaux sociaux, c'est principalement Instagram, parce que Snapchat j'y vais vraiment plus à cause de la dernière mise à jour, et Twitter, en fait c'est un peu mon Twitter perso, donc je publie pas vraiment en rapport avec YouTube, mais si jamais vous voulez me suivre et suivre mes péripéties, Twitter est présent. Bref, j'ai arrêté de faire mon coup de promo, je vous fais très gros bisous, on se retrouve normalement samedi ou mercredi prochain, portez-vous bien et à la prochaine, ciao.